Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un haul perruque. So, je vais essayer toutes ces perruques que j'ai confectionnées et colorées. Par ici, nous avons des perruques courtes, des inspirations coupe pour l'été et tout, vu que l'été arrive bientôt. Et ici, deux exceptions, donc des longues perruques que j'ai aussi confectionnées et colorées. Bref, je vais vous montrer quelques idées, quelques inspirations coiffeurs, perruques. Surtout les perruques courtes, vraiment, surtout les perruques courtes. Parce que les gens ont tendance à ne pas les porter. Pourtant, c'est super joli et super classe. Bref, je ne bavarde pas trop. On passe à la première. Alors, je commence par cette pépite. Pépite. Ouais, pépite. Elle n'est pas jolie, cette perruque. Oh là là. Franchement, les coups de perruque, c'est la classe. C'est la base. C'est la base. C'est une mini perruque. Je l'appelle Coco. Coco. Oui, Coco comme Coco. Franchement, elle est trop... En tout cas, moi, je l'adore. Moi, je l'adore. Elle, Coco. Le derrière, c'est mini. Désolée si ça gonfle. Je sais que ce sont mes nattes à l'intérieur qui gonflent. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, je vais vous montrer. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre préférée de toutes les perruques que je vais vous montrer. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi dans les commentaires et on va en débattre. Et à l'avenir, je vous montrerai des tutos comment je fais des coupes comme ça. Coupe chinoise ou encore perruque à franges. Pour ça, j'ai utilisé une closure. J'aime bien les franges avec les closures. Ça donne un effet super naturel et tout. Bref, aussi super top et pratique pour l'été. Pas besoin de coller ou quoi que ce soit. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup. C'est un modèle assez simple, assez cool et qui passe pratiquement à tout le monde, je dirais. Sur ça, on va l'appeler comment? Je réfléchis. En tout cas, je vais vous écrire son nom là. Ouais, sur, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, on passe à la suivante. Ensuite, nous avons cette petite beauté que j'appelle Lise. Lise, c'est la Coco en couleur noire. Donc, dites-moi si vous préférez en couleur comme ça ou en couleur noire. C'est le même modèle en fait. Dites-moi. Toujours super pratique pour l'été, ça ne gêne pas. Après, ce sont des garçonnières avec les lisses frontales. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'approuve. Top. Top, top, top. Genre, on dirait que j'ai taillé mes cheveux. Oh. J'ai juste bouclé. C'est le naturel de cette perruque qui me fascine, en fait. La pépite des pépites, cette magnifique perruque avec une large closure, encore appelée Chloé. Chloé, 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 so les filles. Franchement, vous aurez beaucoup de perruques, beaucoup de choix. Dites-moi parmi toutes celles que je vais essayer, celles que vous préférez. Si c'est Chloé, si c'est Coco, bref. Super pour l'été. Franchement, il n'y a pas mieux pour l'été. Ouh, avec la chaleur là. Oh, il n'y a rien qui descend sur le cou, qui va faire transpirer et tout. Super pratique pour l'été. J'adore. J'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez. Quelle est votre préférée parmi toutes celles que j'ai essayées. Et comme j'ai dit, je vais vous montrer des tutos comment avoir des coupes comme ça. So, on a celle-ci aussi. Je l'appelle généralement Mini Cooper. Cooper à cause de sa coloration qui tend vers le cuir, c'est pour ça que j'appelle Mini Cooper. Donc c'est une perruque aussi super super pratique pour l'été. Une lace frontale 13x4. Donc là, le derrière est bien taillé. Et la devanture, c'est genre Rihanna, un côté et tout. Bref, c'est super pratique. C'est aussi un modèle. Je vais vous montrer ça en plusieurs couleurs si je ne l'ai pas encore fait. On passe à la suivante. Ensuite, on a celle-ci que j'appelle généralement Lily. C'est une Wata Wave taille 14 que j'ai coupé en coupe carrée, comme vous voyez, et j'ai donné cet effet mouillé avec un peu d'eau et un peu de mousse coiffante. Franchement, on était ouf. On était, tu la mets, tu es tellement à l'aise avec, parce qu'il fait chaud et avec cet effet mouillé, on pas obligé de faire l'effet mouillé, mais juste rien que le fait que ce soit court, franchement, c'est trop pratique aussi pour l'été. Et moi, j'aime bien les mini bouclés comme ça, ça donne un air super naturel, métissé. So, dites-moi si c'est celle-ci que vous préférez. Celle-ci, c'est Lily. Faites-moi savoir en commentaire quelle est votre préférée.
nous avons cette mini pépite que je vais appeler, comment, Samy Chaton. Vous voyez Samy, parce que Samy c'est la noire, mais celle-ci c'est Chaton, Samy Chaton. Franchement, j'adore cette couleur. Ça fait trop naturel et tout. Bref, je sais pas vous, mais moi j'adore cette couleur. Surtout pour l'été, je trouve que c'est une couleur super parfaite pour l'été. Le derrière c'est pareil. Derrière c'est vraiment mini. Désolée si ça gonfle derrière, ce sont mes nattes, franchement les grosses nattes à l'intérieur de mon chapeau. So, dites-moi si vous aimez celle-ci. Franchement, choisissez dans les commentaires, choisissez votre préférée. Celle-ci, je vais faire avec deux boules. Et la frontale, c'était la taille 14. Vu qu'il n'y a pas de mini frontale pour le moment, c'est comme ça. Donc, voici une idée de coupe pour l'été. Super classe, là. Je mets un vêtement classe. Bref, toutes les occasions. Tout, ça passe avec tout genre d'habillement. C'est un peu comme les cheveux, en fait. Comme les cheveux, juste qu'on a coupé. Super, super classe. Moi, j'adore les coupes courtes. J'adore. Bref, on passe à la prochaine. Aucune règle sans exception. So, nous avons cette pépite. Ouh, cette pépite que j'ai colorée moi-même selon le souhait de la cliente. Bref, une couleur super, super jolie. C'est vrai, c'est une couleur osée. Mais moi, je la trouve super jolie. Et en plus, elle peut passer à toutes les carnations noires, brunes. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. On va l'appeler Karel. Karel, ouais. Moi, j'aime bien, dites-moi. Deuxième exception, nous avons celle-ci que j'appelle Gina. Gina, oui, toujours, j'ai fait toujours la coloration. Cette fois-ci, ce sont des boucles un peu plus grosses. So, Gina, dites-moi ce que vous en pensez. Aussi, super pratique, on peut aussi avoir l'effet mouillé, mais là, j'ai laissé comme ça. Ouais. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous la préférez, Gina. So, les perruques sont terminées. C'est terminé, c'est fini. J'espère que vous avez aimé certaines parmi elles. Si oui, dites-moi laquelle vous avez préférée. Et si vous aimez ce genre de contenu, ce genre de vidéo, comme je vous ai dit, à l'avenir, je vous montrerai comment j'obtiens ces coupes-là. J'ai déjà montré certaines, mais je vous montrerai donc comment j'obtiens ces coupes et ces colorations. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager et surtout n'oubliez pas de me dire laquelle vous avez préférée ou bien lesquelles vous avez préférées parmi les perruques que j'ai essayées. So, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous et portez-vous bien. Bye bye!